Le port obligatoire du masque, l'une des mesures prises par les autorités congolaises dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Le masque sert ainsi à éviter de contracter le virus, la grippe ou toute autre maladie virale. Il existe plusieurs types de masques. Masques chirurgicaux, ceux en tissu lavable ou jetable, mais tous ne sont pas recommandés. À Pointe-Noire, une quantité importante de ces masques circule dans les artères depuis le déconfinement et vers lesquels un grand nombre de citoyens se ruent parce qu'à moitié prix, avec parfois une seule couche de tissu et sans aucun filtre. D'où proviennent ces masques et en quoi garantissent-ils la sécurité sanitaire des populations? Ce sont entre autres questions que se pose plus d'un observateur averti de la société congolaise. Des questions auxquelles devraient répondre les spécialistes en la matière et les acteurs de la santé qui, fort malheureusement, jouent à l'indifférence malgré leur conscience du danger que représente un produit dont les normes sanitaires ne sont pas certifiées pour la santé publique. Ce manque de communication de leur part est perçu comme un refus de garantir aux consommateurs la bonne information dont ils ont droit sur les masques adaptés à leur protection contre la Covid-19. Une vraie bombe à retardement qui pourrait mettre en péril les efforts jusqu'ici consentis dans la lutte contre la propagation de cette pandémie dans le pays.